les relations longue distance impossibles? Pas pour Marine l'orphelin. Depuis plus de 4 ans, Miss France 2013 file le parfait amour avec son chéri Christophe Malmézag, même s'ils vivent à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Les deux tourtereaux se rencontrent à Tahiti en juin 2014, lors d'un voyage entre Miss organisé par Maréva Galanté sur l'île paradisiaque. Et c'est le coup de foudre. Marine l'orphelin succombe au charme du beau brun, au grand dam de son entourage. Selon le magazine Elle, les proches de Marine l'orphelin ont d'abord mis en garde la jeune femme sur sa relation avec Christophe. Il ne peut s'agir pour eux que d'un amour de vacances sans lendemain. Leur histoire étant forcément condamnée à cause de la distance. Car cet homme d'affaires passionné de sport habite à Tahiti alors que la Miss fait ses études de médecine en métropole. Mais, malgré les obstacles, les deux amoureux tiennent bon. En 2015, Marine l'orphelin décide même de faire son stage à l'hôpital de Tawan pour se rapprocher de son compagnon. Et si elle a depuis fait son retour en France, les deux tourtereaux multiplient les voyages pour se retrouver. La distance ne les a pas éloignés, bien au contraire. Le manque aiguise le sentiment amoureux. Quand on se retrouve, c'est toujours comme au premier jour. À vivre ensemble 24 heures sur 24, certains couples finissent par ne plus se voir. Confiait ainsi la Miss à Paris Match. Vivre à l'autre bout du monde l'un de l'autre n'est pas la seule.